Aujourd'hui que nous célébrons Notre-Dame du Rosaire, rappelons-nous comment le pape Saint-Pie V, c'est le XVIe siècle, a organisé une croisade mondiale du Rosaire pour arrêter l'invasion turque et musulmane qui menaçait l'Europe, et que c'est par le Rosaire que fut remportée la victoire militaire de l'Épante en 1571. Il n'y a pour le moment aucune armée à nos portes, mais très certainement il nous faut retrouver ou garder vivant pour le moins. L'esprit du rosaire, cet élan exemplaire par lequel l'Église nous porte à cette prière. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Bon, sans doute, de se rappeler que le rosaire a été donné par la Sainte Vierge elle-même à Saint Dominique, vous le savez, en temps de lutte contre les hérésies. Et quand on parle d'hérésie, c'était vraiment une attaque de grande échelle. Les dogmes, les mystères de la création, de l'incarnation rédemptrice, du don du Saint-Esprit, de la vie éternelle, tous les fondements de la foi étaient attaqués et tout était remis en question. Et Saint Dominique, on est donc au début du XIIIe siècle, dans la région de Toulouse, Saint Dominique, qui s'était élancé dans une évangélisation des campagnes, dans un grand ministère de prédication, a connu l'échec. On ne l'écoutait pas, on ne voulait pas l'entendre. Ses arguments ne portaient pas. Il s'est donc retiré dans les bois et il a fait pénitence. Il a jeûné, il s'est imposé la discipline, il a offert des sacrifices, il a prié à temps et à contre-temps. Et voilà qu'au bout de trois jours, la Sainte Vierge lui est apparue. Et très pédagogue, elle l'interroge. Elle lui demande s'il sait comment la Trinité s'y prend pour convertir le monde. Mais il avoue son impuissance, il dit ben, « Vous êtes quand même la Sainte Vierge, c'est à vous de me le dire. » Et elle lui répond « Sache que la principale pièce de batterie a été le psautier angélique, qui est le fondement du Nouveau Testament. C'est pourquoi, si tu veux gagner à Dieu ces cœurs endurcis, prêche mon psautier. » Le psautier de Marie était connu à l'époque comme étant une forme de prière composée de 150 Ave Maria, bref ce que nous on appelle le rosaire, c'est-à-dire la couronne de roses, des roses blanches pour les Ave Maria et des roses rouges pour les Pater. Et vous savez que le rosaire a longtemps été composé de trois chapelets. Maintenant, Saint Jean-Paul II en a rajouté un quatrième. Il a ajouté aux mystères joyeux, aux douloureux et glorieux les mystères lumineux. Et la Sainte Vierge a confirmé à plusieurs reprises cette prière à Lourdes, à Fatima, quand elle, elle apparaît, on la voit avec un rosaire à la main. Et elle a bien expliqué à Saint-Dominique que c'était comme une rosée, comme la rosée de l'Annonciation, qui permet la transformation du monde. C'est une prière contemplative qui est puissante sur le cœur de Dieu et qui permet d'obtenir la conversion du monde. La liste des miracles du rosaire est quasiment infinie. On a parlé des invasions turques, on pourrait parler de l'occupation soviétique en Autriche. Pendant dix ans, plus d'un million d'Autrichiens, c'est-à-dire un dixième de la population, a prié chaque jour le chapelet pour obtenir le départ des Soviétiques, qui sont finalement partis en 1955 sans qu'il y ait la moindre bataille militaire. Donc que le combat soit instantané, comme une, une courte bataille, comme à Lépante, ou qu'il prenne des années, comme les dix ans de prière en Autriche la prière du rosaire amène toujours la victoire nous connaissons tous l'insistance du padre pio pour que on prie chaque jour cette prière qui est son arme préférée contre le démon la plus efficace qui soit alors parfois on objecte que il y a un risque de rabâcher et donc finalement de se mettre en opposition avec le seigneur jésus qui dit quand vous priez ne rabâchez pas comme les païens le risque existe mais le risque est plus grand de ne pas se servir d'une arme aussi efficace alors pour éviter de rabâcher, peut-être il faut prendre le temps. Il s'agit d'une prière contemplative. Une prière contemplative nécessite qu'on adopte un rythme calme, qu'on prenne bien son temps et qu'on s'y applique de tout son cœur. Il suffit de regarder les mystères de la vie du Seigneur Jésus depuis le cœur bien-aimant de la Vierge Marie. Et c'est de cette prière-là que vient notre intimité avec Jésus, et c'est dans ce regard confiant que vient la puissance de cette prière. Alors, s'il est besoin, prenons les décisions qui s'imposent, particulièrement aujourd'hui, évidemment. Et si vraiment ça nous semble difficile et hors d'atteinte pour le moment, laissons-nous au moins acclimater par la prière de l'Angélus. Car, frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.